Denise, vous êtes née le 6 février 1927 au 17 rue Jeanne d'Arc à Rouen. Vous avez 15 ans lors de la première grande rafle des Juifs de Rouen le 6 mai 1942. Les hommes, la rafle des hommes. Oui. En juin 1942, les Juifs de France doivent porter l'étoile jaune comme signe distinctif et vous raconter votre peur de la stigmatisation et les interdictions liées au port de l'étoile, comme celle de ne plus passer à l'intérieur du square Solferino, aujourd'hui square Verdret. Vous revenez de Drancy à Rouen, étant donné le statut de votre père, vous revenez de la grande rafle du 6 mai 1942. Je ne suis pas allé à Drancy. Vous n'êtes pas allé à Drancy sur je la première que rafle. Les hommes. C'est votre, d'accord, c'est votre papa. Que les hommes. D'accord. Qui est revenu de cette rafle, étant donné son statut. Son statut de travailler pour l'Union Générale des Israélites de France. Oui, d'accord. Un journaliste qui a mis qu'il avait payé parce qu'il était riche. J'ai été contente quand on m'a appelé ça. J'imagine. Donc jusqu'en janvier 1943, le 15 janvier, vous êtes déporté à Drancy avec tous les Juifs de Rouen qui furent persécutés plus qu'ailleurs en France. En France, on a une position des Juifs de Rouen sur laquelle nous revenons. Vous racontez que le convoi 62 du 20 novembre 1943, où seront déportés vos parents, Bernard et Juliette, est la conséquence directe du tunnel découvert par Alois Brunner, chef du camp de Drancy, tunnel qui devait servir aux évasions. Vous racontez que votre mère figurait sur la liste de déportation, mais non votre père. On lui a proposé un poste de membre de surveillance. Non, il l'avait. Il avait un poste de surveillance à Drancy. Oui, il avait un poste. D'accord. Et maman aussi. Elle s'occupait des colis de linge français et ils étaient en principe non déportables. D'accord. Et puis à cause de ce tunnel, maman seule était sur la liste. D'accord, c'est ce que j'ai compris. Et mon père a demandé à partir avec elle. Il a d'abord demandé qu'elle ne parte pas et ensuite il est parti avec elle. D'accord. Alors vous avez 16 ans quand vous arrivez à Drancy et vous dites, page 34 de votre premier livre, que les Français aux abords du camp ouvrent leurs fenêtres à prix d'or. Pour que les familles puissent apercevoir les déportés. Les Français aux abords du camp. Ça, je ne le savais pas, je l'ai su après. On l'a su après. Bon. Vous dites également que ce sont les mêmes qui diront n'avoir rien vu après la guerre. C'est un paradoxe. Je ne l'ai jamais parlé. Je le sais, mais je ne suis pas là pour monter les gens. Non, non. Bon, mais c'est toujours intéressant de souligner comme ça les paradoxes. Entre ce qui se passe à l'intérieur pendant la guerre. Ils se sont enrichis, comment pourrait-on apercevoir les gens dans la vie. D'accord. Vous avez la diphtérie à ce moment-là, et c'est paradoxalement votre chance, puisque vous partez à l'hôpital, au Bernard, sans pouvoir embrasser vos parents, et vous êtes conduit par une assistante sociale, de l'UGIF, à Moussienne, après votre guérison, dans un établissement pour l'enfant. Pardon, excusez-moi. Je commence par la rue Lamarck, qui était un grand centre à Paris. Et j'ai même été au lycée, mais je suis sortie. J'étais à Martine pendant quelques semaines. Et puis on m'a envoyée à Moussienne, et comme j'étais une des plus vieilles des enfants, je suis devenue aide monitrice. J'ai eu 7 petits-enfants dans ma chambre.
qui ont tous été déportés, sauf lui qui avait la rougeole et qui était en hôpital. Donc oui, vous êtes déporté avec les enfants d'orphelinat du ciel, parmi les tournois, 77, du 31 juillet 1941. Tous les enfants qui seront déportés en Auschwitz seront basés à leur arrivée. Et vous devez votre survie à cette déclaration d'un homme en arrivée de votre convoi qui vous dit qu'il ne prend pas de gosse dans les bras. Par la main, je crois. Parce qu'il y avait une petite fille qui était descendue du train, qui n'avait plus ses chaussures, qui n'a pas eu le temps de les mettre, qui pleurait, bien sûr. Et je lui ai pris la main, et c'est lui qui m'a dit deux fois de suite, parce qu'elle avait du mal à la quitter. Ça ne prenait pas. Alors, à Auschwitz, vous racontez que vous devez votre survie à plusieurs séjours au Robière, à l'infirmerie du Pont. C'est une affirmation assez étonnante quand on a vu beaucoup de témoignages de rescapés d'Auschwitz, parce qu'on sait que l'infirmerie, c'était souvent l'antichambre, la dernière marche avant la chambre à gaz. Je suis passée devant Loïs Brunet, et on devait être une trentaine dans la chambre, et je ne sais pas pourquoi, il y en a eu deux qui ne sont pas partis sur les camions. C'était pas Joseph Mengele à ce moment-là? Oui, oui. D'accord. Je vous ai dit tout. À Loïs Brunet. Non, mais vous racontez une scène absolument terrible. Vous restez enfermé, tout le monde. Les gens hurlaient parce qu'ils savaient que parce que les arrivants ne savaient rien. Il y en a beaucoup qui ont eu le temps de se rendre compte, mais il y en a qui n'ont pas eu le temps. C'est un passage qui... Comme ça brûlait tout le temps, il fallait qu'ils attendent que ce soit fini. Et ils attendaient leur tour. C'est un passage qui est particulièrement fort de votre récit, parce que vous dites qu'effectivement, on ne peut pas se mettre à votre place, mais on essaye vraiment de s'approcher de cette expérience-là par un moment où c'était quelque chose de très fort. Comment on peut vivre après ça? Normalement. Alors, il y a une phrase que je trouve également très marquante dans votre premier livre. Vous écrivez « Nous ne sommes plus que du bétail et tout est fait avec un sens terrifiant de l'organisation. » Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce que vous entendez par sens terrifiant de l'organisation? C'est vrai que tout était organisé, plafonné. On nous a fait rentrer dans une baraque. Les lits et l'étage, on les avait vus. Merci, il y avait, nous, on a eu la chance. C'est horrible de dire ça. Les tziganes ont été exterminés la veille de notre arrivée. Et il y avait la place d'encre. Il ne laissait rentrer que le nombre de personnes qui pouvaient prendre les autres partout. Il y a eu des convois, personne n'est rentré dans le camp. On ne savait rien. On ne comprenait rien. Bon, on est là tous les trois, et puis on vous amène dans un. Je ne sais pas comment on peut qualifier ça, le bout du monde, dans l'enfer, il n'y a rien pour vous aider, il faut que ça vienne de vous. Bon, j'avais du caractère. Et du jour où je suis rentrée, j'ai dit mon enfant. Et ça m'a suivi tout le temps. Ils ont bien fallu. Dans votre écriture, ça se sent, ça, cette volonté de rester. Oui. Alors, la libération du camp, le 27 janvier 1945, vous êtes transféré par train à Bergen-Belsen. Qu'est-ce que vous me dites, là? À la libération du camp. Avant la libération. Avant la libération, oui. Vous êtes transféré par train à Bergen-Belsen. Après la mission à Bergen-Belsen. Donc c'est ce qui vous permet d'éviter les marches qu'on appellera les marches. Moi, je n'ai pas fait la marche. Simone Veil est partie quelques jours après, elle a fait la marche. Avec sa mère intentionnelle. Moi, je l'ai évité, je ne sais pas pourquoi. Surtout que ce qu'on appelle les marches de l'avant,
était mourant. Franchement, on n'avait rien dans le ventre, on n'avait ni à boire ni à manger. Il y avait une neige énorme. Moi, j'ai jusqu'à moins 40. C'est une gardienne du camp qui a dit un jour, il fait moins 40, mais ça n'existe pas. Et j'ai appris que oui. Il y a des élèves qui sont allés, ils ont eu moins 38. Donc, je ne pensais pas qu'on pouvait venir au montagne avec une petite robe sur le dos, un peu plus chaude que celle-là, mais pas beaucoup plus, pas de culotte, pas de soutien-gorge, puis même des sacs en banc. Et j'ai fait l'appel pendant 2 heures en sortant de la quarantaine. Juste avant la libération du camp, en tout cas, vous êtes dans l'infirmerie, je crois. Et c'était une plante, hein. En tout cas, vous l'écrivez de cette façon. Oui. Mais j'avais un gros problème, c'est que j'avais les jambes gelées. Et jusqu'ici. Et quand on a les jambes gelées, elles sont énormes. Et au moment de passer la sélection pour partir, il y avait une chef de bloc polonaise et un médecin allemand. Ils étaient en train de discuter et ils n'ont pas vu mes jambes. On sache l'histoire. Il y a quand même une grosse part de volonté et de chance aussi. Vous êtes épuisé à ce moment-là, vos jambes sont gelées, pourtant vous avez le courage, vous vous dites qu'il faut que je parte à ce moment-là, on appelle les Français, il faut que je sorte. C'était notre rêve depuis le jour où on est arrivé. On ne pensait pas qu'il pouvait y avoir pire. Donc vous dites qu'il faut que je fasse le maximum pour sortir, oui. Donc du repère et rejoindre les amis. Alors on nous a donné je crois, et un morceau de pain et de saucisson, en nous disant ne vous précipitez pas dessus, parce qu'on ne sait pas combien de jours va durer le voyage. Et on avait dans chaque wagon un bestio, un SS et un Wehrmacht. Et le Wehrmacht, dans le wagon à bestio, était assis à côté de moi. Et je commençais à parler un petit peu allemand, puisque personne ne parlait français. Et c'était un Roumain engagé dans l'armée allemande, et qui pleurait, parce qu'il avait pas ses enfants, il avait pas de nouvelles, et tout. Et discrètement, il m'a refilé un petit morceau de gâteau. Et le lendemain, on est sorti du wagon, et je venais d'avoir ces socs en bois, ça n'avait pas marché. Et il y avait une neige énorme. Je suis tombée avec sa crosse de fusil à côté dessus. Parce qu'il y avait les officiers. Oui. Vous me racontez le rendez-vous d'officier. Ça n'est pas trop souvenir d'officier. Qui vous aide dans un premier temps et ensuite il vous frappe. Parce qu'il y a cette hiérarchie, tu veux dire. Sous des ordres. Oui. Alors, dans un premier temps, Denis, survivre, c'est oublier. Dans un premier temps, une fois que vous êtes sorti de l'enfer d'Auschwitz, sortir du camp, survivre, retrouver une vie normale, c'est oublié. C'est-à-dire que vous ne parlez pas. Mais je ne suis pas sorti d'Auschwitz, je suis allé d'Auschwitz à Birkenbelsen, de Birkenbelsen jusqu'à Paris. Donc quand vous retrouvez, quand vous recherchez, retrouver une vie normale, vous retrouvez votre grand-mère, vous retrouvez votre frère, je crois. Oui. Vous racontez que. Il y a une confusion dans l'officier d'appartement qui m'a demandé d'où je venais. Je dis, vraiment, on m'a aussi Holstein. Ah, mais il y a Holstein qui est rentré. J'ai absolument pas pensé à mon frère. Pour moi, il était libre, il était en danger. Et je suis rentrée comme une folle en disant, je vais retrouver mon frère. C'est la concierge qui m'a dit c'est votre frère qui est là. Alors, toute la joie du docteur, il m'a dit, c'est le
monde-là, alors. Aucune chance. Et ma grand-mère, âgée, tellement malheureuse d'avoir perdu sa fille et son gendre, je n'ai jamais rien raconté. On les a attendus jusqu'à sa mort parce qu'il y avait une fois tous les 2 ans, quelqu'un qui va apparaître. On ne racontait quasiment rien pendant très très longtemps. Votre déportation d'un Je suis arrivée chez des amis, mes parents à Cagnes-sur-Mer. Ce monsieur, qui était un très bon ami de mes parents, m'a dit, Denise, vous allez oublier. Je dis, c'est pas possible. Il faut que vous écriviez tout de suite. Je vous assure que j'étais pas contente. À l'époque, j'étais encore bien aidée. J'ai dit, bon, il faut que je le fasse. Et c'est ce manuscrit. Qui a été publié par la Fondation pour la mémoire de la France. C'est Riquet qui m'a aidé. Vous connaissez? Saint Rouennais, qui était inspecteur d'académie. Et donc, vous racontez également dans le premier livre qu'ensuite, quand vous commencez à témoigner, le point déclic, c'est la rencontre avec Serge Klarsfeld, qui vous invite. Vous n'avez pas encore parlé pour la commémoration de la On est allé à Louvciennes déposer une plaque et j'ai su que cette plaque a été arrachée. Quand? Non. Pourquoi? Vous savez bien qu'on démolit les tombes dans les cimetières, on arrache Vous n'avez pas entendu parler de plaques qu'on met devant la maison des déportés, comme les cinéastes, vous savez, on a en Amérique, il y a un boulevard. Oui. Et donc, ils essayent de faire ça en France, et j'ai appris qu'il y a déjà des plaques qui ont été arrachées. Alors, j'ai interdit qu'on mette une plaque devant 79 ans. Je sais pas si on l'arracherait, mais j'ai jamais voulu mettre. On l'a pas suffisamment. Non. Parce que finalement, il y a quasiment en dehors de la synagogue, il y a rien qui était dans des rafles. Il n'y a pas de monument. Rien. C'est comme ça. C'est assez étonnant. Surtout que mon père était combattant de guerre. Vous êtes contre le fait de mettre une plaque. Ah, ben oui, parce que je sais qu'on les arrache. Oui, vous pensez que ça allait. Moi, j'ai l'impression qu'on arrache la poche si on arrache. Je préfère que. Vous êtes convaincu que la plaque ne va pas rester. Non. Il y a toujours des antisémites. Et même, il y a des gosses, sans savoir pourquoi, ils l'arracheraient. Mais est-ce que. Contre l'antisémitisme, ça serait pas quand même de vouloir, en dépit de tout, poser cette peinture? Non. Parce que j'ai l'impression qu'on les arracherait une deuxième fois. Je ne supporte pas. Parce que c'est leur donner raison de ne pas rendre visible ce qui n'est plus visible. Non, moi je fais le travail pour eux, dans les écoles.
Bon, pour moi, je le fais, c'est pour mes parents. Si c'est des gens très discrets, mes parents. Bon, bien sûr, le jour où on a inauguré la plaque à la synagogue, je l'étais. J'étais jeune mariée, je crois que ma fille devait avoir 6 mois. C'est à ce moment-là que je voulais aller à Paris pour ma fille. On va en reparler. Je trouve que c'est quand même important les plaquements. Je suis dit que j'ai des idées dans le monde. Et je connaissais pas du tout l'histoire de ma ville. Et je courais, j'aimais beaucoup aller dehors, je me baladais autour du parc Terman. Et c'est là où j'ai vu une plaque qui parlait de la déportation d'un des plus grands poète, Isaac Casnelson, poète justement des camps, qui avait vécu au ghetto de Varsovie, qui avait été intégré dans une affaire qu'on appelle l'affaire des passeports sud-américains, qui est une affaire très très complexe, qui est montée à partir du ghetto de Varsovie. Et en fait, quand il est arrivé dans ma ville, il a écrit le plus grand poème autour de ce qu'on appelle aujourd'hui un chant, qui s'appelle le chant du peuple juif assassiné. Et ça m'a beaucoup marqué, en fait. Je pense que ça a aussi impliqué tout mon cheminement, tout mon trajet actuel. Et c'est pour ça que je reste attaché, même si... Que le fait d'être professeur de philo, incite à rapprocher de cette histoire, donc ça n'a rien à voir. Si ça a tout à voir, pour moi, on n'est pas seulement dans un événement qui est historique, on est dans un événement qui est philosophique. Parce qu'il interroge la raison dans les conceptions terrifiantes de la raison. Il interroge la question de savoir qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que l'idée d'humanité. Et comme on est souvent devant un événement finalement qui est terrifiant, on ne comprend pas, qui nous échappe complètement, ou qui fait problème. Qui fait question, c'est pour ça que pour moi, ce qu'on appelle aujourd'hui la Shoah, c'est quelque chose qui est aussi philosophique, voire peut-être plus philosophique qu'historique, parce que, comme nous dit Lanzmann, comme nous dit les grands historiens, même une fois qu'on a fait le tour, une fois qu'on a tout expliqué, finalement, il y a encore quelque chose qui nous échappe, c'est pourquoi. Comment ça a pu avoir lieu? On explique comment ça a pu avoir lieu, mais une fois qu'on l'a expliqué, on ne saisit pas. On ne saisit pas complètement, ça reste une énigme. Et c'est pour ça qu'en tant que philosophe, moi qui fais beaucoup confiance à la raison, on est censé être des amoureux de la raison. Ce qui est terrible devant cet événement, c'est qu'on se trouve devant un événement qui est hyper rationalisé. Nous vivons aujourd'hui dans une société qui est aussi hyper rationalisée. C'est le sujet de mon travail, c'est cet effet de miroir-là que j'essaye d'interroger, questionner et d'approfondir. Pour moi, je serais de mauvaise foi si en tant que philosophe, je ne travaillais pas sur la chose. Alors peut-être que pour ça, ce que je vous ai raconté dans ma vie, dans ma jeunesse, l'enfant, cette plaque-là, elle s'est entrée en moi. C'était pas qu'une plaque, c'était quelque chose qui a, je sais pas, qui a grandi, qui a vécu. Je vous ai parlé du colloque sur le temps de l'année dernière, la plante a bien vécu. Donc ça sert, même si j'aurais tendance à penser que même si les plaques sont arrachées, il faut en remettre une. Béate me disait qu'elle était très très attentive comme ça, quand elle venait aux commémorations qu'il y avait une plaque, elle revenait plusieurs années après pour bien vérifier que c'était toujours marqué, que c'était toujours visible, que c'était toujours lisible et que la plaque était toujours en place. Il faut pas leur laisser... Si on se dit on met une plaque et elle va être enlevée, on leur donne raison. Après, je comprends ce que vous dites. Émotionnellement, c'est insupportable d'avoir une plaque enlevée. Mais en même temps, même si c'est très difficile, en tout cas, moi, mon rôle, c'est de... Vous voyez les personnes qui ont racheté le cabinet de mon père, les premiers ont laissé la plaque. Et puis ensuite, ça n'était plus des dentistes, je crois que ce sont des kinés. Et là, ils ont enlevé la plaque.
Nous l'avons dit, mais mon mari et mon frère ont mordu la maison. Pour moi, ça a été le roi. Mon père vient d'une famille très pauvre. Il a travaillé. Il a fait ses études à Nancy, c'est ça? Mon père, Nancy. Et puis, quand il a fini ses études, il paraît qu'il avait le salon de ses parents où il avait une chaise, enfin un fauteuil dentaire. Il a commencé comme ça. Et puis ensuite, il a acheté un cabinet 17 au Jambon. C'est une maison d'académique, là où je suis née. Et puis, comme il travaillait beaucoup, je crois qu'il avait une très bonne réputation. Alors, vous m'aviez parlé justement du fait que parfois on refusait de vous recevoir. Ce qui a été le cas, fut un temps au lycée Corbeil. Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce refus? Qu'est-ce qui a motivé ce refus alors que vous êtes accueilli au collège Barbet d'Aurélie? Dans toute la France. Vous faites le tour de l'académie déjà de. Mais de toute la France. Absolument, j'ai été sur Agen, j'ai été sur Marseille, j'ai été partout à Lyon, beaucoup dans le Nord, énormément. Il y avait des professeurs qui ont appris que je faisais ça, qui m'ont demandé de venir dans leur lycée. J'ai été reçue chez eux très gentiment. Qu'est-ce qui motive ce refus? Bon, le lycée Corneille dans lequel vous avez été. Il avait peur des remous. Le refus, ça a été quand on a mis la plaque à la synagogue. D'accord. Et c'est à ce moment-là qu'on m'a demandé de parler. J'ai pas parlé tout de suite. Et quand j'ai commencé, j'ai pensé que le plus important, c'était qu'on ait mon frère avait été et moi. Alors, il m'a laissé, après l'article du journal de Rouen, il m'a laissé venir dans une classe. Je suis rentrée, mes élèves étaient tous rentrés dans ma classe, comme une... on n'avait pas envie que... le professeur m'en suis très gentil. Et quand je suis sortie, on m'a demandé d'aller voir. Il m'a dit, vous voyez, madame, je vous les ai laissés par vous. Il était très content de vous. Mais c'était plutôt l'exception qui confirme la règle. J'aimerais quand même les portes. Partout. C'est partout. Ce qu'il faut retenir. Absolument. Enfin, c'est quand même bon que le lycée où j'ai été, oui, me refuse. On va essayer de réparer ça. Moi, je pourrais plus. Ça peut être un voyage. Oui. Et puis, je crois que je ne tiendrai pas 2 heures comme je faisais avant. D'abord, je suis beaucoup plus sensible, beaucoup plus émotive en vieillissant. Je suis désolée de ne plus pouvoir le faire. Vous savez, ça me. Nous aussi, on est désolés. C'est pour ça qu'on vient vous voir. Mais je n'ai jamais fait le compte des élèves que j'ai vus, mais c'est énorme. Plusieurs milliers, la petite. Oui. Oui. Il n'y a jamais eu le moindre problème. Jamais. Alors, Denise, vous m'avez dit tout à l'heure que vous n'avez jamais fait de philosophie. Et donc, je vais vous poser des questions philosophiques quand même, parce que on n'a pas besoin d'avoir fait de la philosophie pour être philosophe. Vous savez que j'ai la vérité. Parce que c'est un complexe pour moi d'avoir été mes études dans ce monde. Et en plus d'avoir oublié pratiquement tout ce que j'ai appris. Et d'avoir refusé l'équivalent du bac que vous pouvez vous donner, vous l'avez refusé, ça. J'ai pas reçu, j'ai pas voulu. J'ai dit je le mérite pas, j'en veux pas. Ça, c'est mon parent. Il m'a dit t'es idiote, ça pourrait te servir, mais ça m'aurait jamais servi. Mais vous y aviez droit, vous auriez pu continuer. Bien sûr. D'abord, j'étais pas en état. J'ai mis des mois et des mois avant de pouvoir lire un livre.
mon esprit me fichait pas, donc je repartais dans les camps, pareil que je poussais les cris de l'amour. J'ai quand même un peu souffert. Oui, je crois que vous partez d'Auschwitz à Berkebetsen, vous dites que vous pesez 35 kilos. Vous pesez 35 kilos à la sortie. Et pendant la guerre, les femmes ou maigrissaient ou faisaient de l'anémie graisseuse. Il y avait beaucoup de filles de mon âge qui étaient soufflées. Mmh. Et moi, je faisais partie des soufflées. Donc j'avais beaucoup de kilos à perdre. Je suis partie près de 60 et je suis rentrée à 35. Mais bon, en tout cas, c'est une question de pas d'heure, mais les derniers jours de Bergen-Belsen, j'étais couchée par terre, j'avais des morts autour de moi. Je m'excuse de vous le dire, tout le monde se vidait, on ne pouvait pas aller aux toilettes. On était couverts du tout, de la tête aux pieds. Et le soir, je me disais, c'est bête de mourir à mon âge. Je me réveillais. Puis un beau jour, j'ai entendu une sirène. Et tout le monde hurlait de joie. Mais en mourant, je me suis levée. Comme on a toujours un petit reste de volonté, je crois, plus que de force. Et j'avais une amie qui était au Révire, et j'ai dit pour lui dire qu'on était libérée par le monde. Et j'étais une bonne élève en anglais à l'époque. Et quand j'ai parlé avec les premiers soldats anglais, j'aurais parlé en anglais. Et alors, du camp, on nous a emmenés dans les casernes allemandes. Parce que c'était tellement sale qu'ils nous ont sortis là, soi-disant on nous a nettoyé nos vêtements au DDT. On n'avait jamais entendu parler de ça. Ils nous ont dit vous n'aurez plus de coups. Ils nous ont ramené nos vêtements. On ne voulait pas les mettre. Non, non, c'est fini. On ne connaissait pas cette histoire de l'Américain. Les Américains sont dans ça. Et en effet, je suis rentrée en France avec mes vêtements. Ma grand-mère, elle ne va pas mieux. Il y avait les lampes, vous savez, dans toutes les... Je ne sais pas si vous connaissez ça, il y a les poux et puis ils font des œufs. Oui, oui. Et bien, c'était une colonie d'œufs, comme ça. Je connais ça avec mes enfants. Oui. C'est tout, c'est pas une proportion gardée, quoi. Je connais le phénomène, quoi, la quantité. Entrons dans mes questions philosophiques. Vous allez voir, ce ne sont pas des questions qui sont difficiles, mais c'est des questions qui font parfois réfléchir, mais vous me direz si ça vous semble déplacé. Je vous dirai, je ne pas. Ce qui m'a marqué, il y a plusieurs choses qui m'ont marqué, bien évidemment, dans vos livres. À Auschwitz, vous parlez souvent de la cruauté des Stubovades, gardiennes de bloc. Et on se pose souvent cette question quand on lit des témoignages. Est-ce que vous pensez que les femmes dans les camps ont été, les femmes gardiennes bien sûr, ont été aussi cruelles que les hommes? Est-ce qu'il n'y avait pas fondamentalement une différence? Parce que je n'ai pas eu de... C'était ou des boches ou des gardiennes juives. Il n'y avait pas de... Le fait d'être une femme ou le fait d'être un homme, globalement, ça ne changeait pas grand-chose à la terrifiante organisation que vous évoquiez. Il n'y avait aucune pitié. Ça voulait garder leur poste. Et alors, il y avait la Blokova et les Stubenistes. Je ne sais pas exactement comment ça s'est fait en même temps. C'était les aides de la chaîne de bloc. Et secrétaire, je crois. Ça se traduit comme secrétaire de bloc, quelque chose comme ça. Ah, ça se traduit comme secrétaire de bloc, je crois. Enfin, c'est okay. Le second. Mmh. On parlait du fait qu'il n'y avait aucune pitié qu'on soit une femme ou qu'on soit un homme. Et en plus, elle nous détestait parce qu'on a été déportés très tard. Mmh. Et elle, il y en avait qui étaient là déjà depuis 2 ans.
Elles ont vu défiler leur famille qui a été exterminée, on connaissait. On est arrivé, on savait. En France, il y aurait complètement une chambre aveugle, une chambre aveugle. Je pense pas que j'étais plus bête qu'une autre, on n'en avait jamais parlé. Papa, vous pensez que, avant la libération, on a su quelque chose? Les informations circulaient, mais dans les milieux institutionnels, dans les milieux politiques, dans les ghettos, mais pas partout, bien évidemment. Dans un certain nombre de lieux, à Pologne, bien évidemment, oui. L'information circule très tôt, avec les premiers trains de déportation en destination. Mais effectivement, même quand on savait l'information, quand on lit les journaux, elle est inassimilable. C'est-à-dire qu'on vous dit que c'est pas possible. On est dans l'impossible. Je ne sais pas si tout le monde croit en nous. On n'est plus dans la croyance, là, nous, on est quand même dans une démarche scientifique. Donc, moi, c'est ce que je réponds à mes élèves. On peut douter, mais le doute n'a rien. On peut être dans des théories, dans des rationalités, dans le désir, parce que, je ne sais pas, on est antisémite, mais le doute n'a rien pour lui. Les journaux des bourreaux, on a des témoignages des déportés, on a des témoignages de Polonais, on a des documents historiographiques, on a des plans, on a des vestiges, cet ensemble de choses-là, on vérifie historiquement, on demande une vérification historiographique. Donc, il y a une chose que je ne comprends pas. Quand on va maintenant à Auschwitz, on visite Birkenau, on s'aperçoit qu'il n'y a presque plus rien. À Auschwitz ou à Birkenau? À Birkenau. Non, il n'y a presque plus rien. Et pourquoi ils ne maintiennent pas? Bah, ils ont maintenu quelques baraquements. Vous savez comment ça a été construit, ce baraquement? Oui. Par des gens qui n'avaient jamais pu. Par les premiers déportés. Parti, vous savez. Vous en parliez très brièvement. Moi, je n'étais pas au courant. Je l'ai connu. J'ai des amis ici. Je ne peux plus parler quand on m'a dit qui il était, en quelle année il avait. Je crois que c'est le premier ou deuxième convoi. Et il est revenu avec un gars qui travaillait en cuisine et qui m'a aidé. C'est lui, il a construit. Lui, il était électricien, il savait déjà faire quelque chose. Les gens qui ont construit, ils ne savaient pas nécessairement la destination, en quoi ça allait servir. Mais ils ont. Là, la problématique, c'est qu'ils ont gardé que quelques baraquements et qu'ils ne peuvent pas reconstruire, parce que du point de vue de l'histoire. L'identique. Mais non, une reconstruction, ça n'a pas la même portée. Bien évidemment, les chambres à gaz ont été détruites. Avant le départ des Allemands, on est dans la même problématique de construction ou reconstruction. Donc, on a, dans le musée, il y a toute une reconstruction de la chambre à gaz qui est assez spectaculaire. On y allait dans la chambre à gaz. Et quand on rentrait, on savait pas si c'était le gaz ou non. C'était l'eau qui descendait. Donc quand vous rentriez dans la chambre à gaz, vous saviez que ça pouvait servir. Là, vous saviez. Mais au bout de plusieurs mois, bien sûr, quand on y est arrivé, on ne savait pas du tout. Et donc quand vous vous douchiez, vous ne saviez pas du tout si ça avait effectivement une douche. Il y avait des cris de joie. Et il y en a beaucoup qu'on a emmené à la douche et on en a bavé. Alors, souvent pour nous, philosophes, le mal absolu, on a tendance à penser que c'est la souffrance des enfants. Le mal est sans raison, le mal est sans but, il ne vise rien d'autre que lui-même, il est sans pourquoi. Il y a cette phrase terrible entre une vie arrivant et une sœur. Devant l'arrivée du camp,
qui demande en allemand pourquoi et qu'on lui répond ici il n'y a pas de pourquoi. Ce serait finalement une définition du monde. Ma question, elle est simple. Est-ce la raison pour laquelle vous n'oublierez jamais les enfants de la Auschwitz, puisque c'est le titre qui a été donné à votre premier livre, je n'oublierai jamais les enfants de la Auschwitz. Parce que ça fait partie de l'époque de ma vie qui a été tellement énorme, tellement effroyable. Je ne peux pas l'oublier. J'ai perdu mon premier bébé à 2 mois. Ça a été long, hein, après tout ça. Mais c'est tellement gigantesque. Je ne peux pas comprendre. Mais on ne peut pas. Quand on a vu ça de près, qu'on a connu des enfants pendant 1 an, et qui étaient dans la chambre à côté de moi, qui pleuraient, qui demandaient leur part en soi. C'est pas possible de dire ça. Donc, j'ai beau parler, j'ai beau expliquer. Je me dis toujours qu'il faut parler, mais est-ce que les gens comprennent? Je ne suis pas sûre. Parce que j'ai été longue à comprendre. Où j'étais. Je pense qu'on ressent, je pense que parfois on comprend, mais c'est pas toujours une compréhension qui fait sens, c'est-à-dire qu'on s'en sert pas au quotidien. Et ça, c'est dommage. Je cherche justement à mettre en place une compréhension qui fasse sens. C'est-à-dire quelque chose qui est toujours là. Je me suis mariée, j'ai eu des amis, j'ai eu des enfants, on pouvait aller à l'école, j'avais des mères de famille, donc il fallait surtout pas les entendre. On faisait peur, je suis restée silencieuse pendant très très longtemps. Il fallait oublier, il fallait pas en parler. Oui, c'était ce qu'on entendait. On dit souvent que les déportés n'ont pas témoigné, mais en fait, en 1945, il y a 500 ouvrages publiés sur les déportations. Mais personne ne veut entendre, personne ne veut écouter. Au musée de la Shoah, j'ai apporté mon témoignage, mon refusé, on en a bien assez. Où ça? Au mémorial, oui. Non, il n'était pas encore le mémorial, c'est juste avant le mémorial. D'accord. Ça s'appelait le musée du judaïsme, oui. Je crois. Ah, j'ai vu, je suis arrivée avec nos manuscrits et j'ai dit bah, je vous amène un témoignage. On en a bien assez, merci madame. C'est celui qui me fait un concierge. Je suis repartie avec mon manuscrit souvent. Mais je suis. J'ai pas assez de force, je me sens pas assez de costaud pour. J'aurais dû faire un scandale. Donc je suis partie. J'en suis pas fière. J'aurais raconté après, c'est pas possible, vous auriez dû assister. Et ensuite, comment vous avez fait alors? C'est Riquet qui m'a. D'accord. Et puis après, non, c'est personnel, t'as fait des listes des enfants, moi j'ai témoigné. Moi, c'est tout à fait différent. Je sais pas, j'ai fait des émissions de télé importantes. J'ai beaucoup circulé. Alors, vous avez écrit page 82 de votre premier livre, vous l'avez cité tout à l'heure. Je ne ressens aucune révolte. Je n'ai pas peur de la mort, mais je trouve que c'est bête de mourir à 18 ans. Enfin, moi, je trouve que c'est bête de mourir tout court. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah non, puisque je suis je suis pas au monde de la fin. C'est normal, ça finit comme ça. Si j'ai la chance de mourir dans mon lit, sans avoir plus froid, ni chaud, ni avoir faim, je suis heureuse. Après tous les malheurs que j'ai eu en plus dans ma vie. Parce que j'en ai eu beaucoup. Je
je n'ai pas mieux supporté qu'une autre, parce que j'avais connu le pire, mais j'ai trouvé que c'était beaucoup. J'ai divorcé, j'ai perdu mon premier enfant. J'ai une fille qui s'est éloignée de moi pour des raisons politiques que j'ai pas acceptées. Mais regardez, je suis dans un cadre merveilleux. Je suis à peu près en bonne santé, quand j'ai rien de bien grave. C'est une fin heureuse que je souhaite à beaucoup de gens. Parce que j'ai vu un mari qui jouait, qui m'a ruiné complètement. Et la femme qui me bosse pour m'en sortir toute seule. Ça n'a pas été facile. Donc, c'est une question qui est impudique, mais vous considérez que la vie valait quand même la peine d'être vécue, que ça en valait la peine. Alors, vous dites dans vos ouvrages que vous êtes sans religion, mais que vous êtes croyant. Enfin, si j'ai bien compris. Je ne peux pas dire que je suis sans religion. Je n'ai jamais caché que j'étais pas juive, moi j'étais israélite. Avant la guerre, les juifs c'était péjoratif. Oui, on disait israélite. On était israélite, d'une famille enfin, pratiquante, mes parents pas tellement. Dans le fait, ils m'ont jamais fait faire d'éducation religieuse. D'ailleurs, j'ai failli me faire au lycée quand même. Je vous ai raconté ça. Non. Je ne sais plus en quelle classe, en septième ou en huitième, on prépare la communion. Catholique. Et le professeur a demandé qui voulait faire sa communion. Je me suis inscrite. Je suis rentrée toute fière à la maison en disant à ma maman, je vais faire ma communion. Donc, elle m'a annoncé que non. Donc, ça a été, j'étais vraiment désolée parce qu'une belle robe blanche et des cadeaux, ça me faisait pas bien sûr. Et c'est comme ça que j'ai su que j'étais pas catholique. Je voyais quand même toutes mes copines qui étaient endimanchées. Vous savez, c'est une expression qu'on entend. Vous n'alliez jamais à la synagogue, en fait. Si, par les grands-pères. Du pour-qui-pour, je crois. On y allait parce que, il y avait une tante de maman qui avait créé une synagogue en Hongrie, parce que toute la famille était par là, et en tout est fait, on se rencontrait. La dernière question est la plus difficile. On n'avait pas de réponse précise, mais c'est une question qui hante les écrivains, les philosophes, les penseurs. Est-ce que vous pensez que Dieu était à Auschwitz? Que Dieu était à Auschwitz. Oui. Oui, parce que je priais. Si. Je pense que. J'ai jamais douté. Hein. Je pense qu'il y a des gens qui vont heureux, sans pas qu'ils sont heureux dans leur vie. Puis, moi, je n'ai pas eu cette chance. J'ai eu des moments heureux quand même, faut pas exagérer, à 91 ans. Mais si, parce que tous les soirs, quand je savais que j'allais mourir les derniers jours, je priais en français, parce que je ne pouvais pas vivre. Ma grand-mère a essayé de faire apprendre la prière du soir, mais bon, il n'est pas retenu. Donc, s'il était à Auschwitz, il était spectateur. Je ne le vois pas comme un homme. Je le vois comme. C'est plus une croyance pour moi que. C'est pas quelque chose. Une énergie intérieure. Oui, peut-être, oui.
Donc il n'aurait pas pu intervenir dans cette perspective-là. Non. Qui n'existe pas en dehors de l'intérieur des âmes, on ne peut pas lui faire le penser d'avoir laissé faire. Moi, je pense que la croyance aide les gens. Et ça m'a quand même un peu aidé. On a fini de. J'ai pas été trop. Je vais vous dire, j'étais intéressée d'être interrogée pendant 3 heures. Pendant 20 ans.